Je suis au four à Saint-Flour et à Moulins. Bonjour Patrice. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Je disais surprise. Bah oui, écoutez, vu l'actualité culturelle ce matin, je me suis dit on va faire un petit qui a dit quoi. Comme ça, on va s'amuser. Je sais que vous n'aimez pas, mais les filles adorent. Je flippe. Et elles sont majoritaires ce matin. Mais c'est vrai. Et c'est leur semaine, parce que c'était leur journée hier. Ouais. Voilà. Alors, qui a dit, une fois au pouvoir, on aurait éliminé ceux qui s'opposaient à nous. Carrément. C'est une figure de mai 68, c'est pas simple, ça c'est plutôt pour vous. Cohn-Bendit. Non, ouais, c'est l'autre. Il est cinéaste aujourd'hui. Il a été membre des jeunesses communistes. Romain Goupil. Gagné un point pour chacun. Alors, bon, c'est stupéfiant. Hein. Il dit ça dans le Parisien Magazine, qui propose un dossier. Si les étudiants avaient pris le pouvoir en 68. Et lui dit, si on avait pris le pouvoir, on aurait éliminé tous les opposants. Voilà, il l'avoue tout simplement. Ouais. Donc c'est bien. Quel aveu, en tout cas. Et ça m'a chirte. Qui a dit « Je n'ai même pas pu dire au revoir aux 2 200 000 téléspectateurs qui me regardaient ». Vous, vous savez déjà. Il a de l'estomac quand même, hein, le gars qui dit ça. Bon, Juju. Voilà, c'est un ancien de France Télévisions. Julien Lepers. Il s'agit tout simplement de Julien Lepers, effectivement, qui a été viré. C'est un travail d'équipe. Ouais. Je suis. Viré en 2015 et il est en ce moment devant les prud'hommes. Et il a carrément demandé, regardez le chiffre, au secours. Pensez-y quand vous demanderez qu'on vous rembourse le taxi quand vous 3 400 000 euros. Voilà. Alors bon, je ne sais pas si. Quand même. En l'occurrence, ce n'est pas à France Télé, je crois que c'est à Fremantle. Hein, on a dit culturel, pas financière. La télé, c'est la culture, non? Est-ce que les femmes ont les mêmes indemnités? C'est ça. Comment elles ont souvent parfois plus. Je présente Fais attention à ce que tu dis, Patrice. Il gagnait 40 000 euros à l'époque. Il a aujourd'hui 68 ans. Qui a dit? Attention, on monte. Mon Goncourt était modeste, c'était 170 000 exemplaires. Il y a des Goncourt qui montent à 500, à 700 000, des gros patapouf. Le mien était respirable. C'est joliment dit. Hein. Alors, c'est un homme qui a eu le Goncourt. Il est mort, non? Il n'est pas mort, il vient de rentrer. Il est devenu même immortel puisqu'il vient de rentrer à l'Académie française. Il avait eu le Goncourt en 76 pour Les Flamboyants. Il s'agit de Patrick Grainville. Bon, voilà, vous l'aviez presque. Non, pas il a pris le siège numéro 9, celui d'Alain Decaux. Alors, le Figaro nous explique qu'il avait débuté dans la littérature à 25 ans, effectivement, Grainville, avec un livre qui s'intitulait La Toison. Et là, il était tombé sur Henri de Monterland, qui était quand même avare de compliments, et qui lui avait dit « Vous avez un talent prodigieux ». On voit ça quand on lit les 10 premières lignes de ce que vous écrivez. Vous imaginez, vous avez 25 ans, il y a Monterland qui est sur la fin, hein, qui vous dit ça, ça booste. Hein. Et il a fait effectivement une belle carrière qui n'est pas finie puisqu'il rentre à l'Assemblée. À l'Académie. Qui a dit « J'essayais de redonner de l'énergie au président, de prendre soin de lui, d'être à l'écoute ». C'est pour Charlotte, ça. Alors ça, oui, c'est pour Charlotte. Bon, de quel président s'agit-il? Un indice, déjà. Nicolas Sarkozy? Non, l'autre. François Hollande. François Hollande. Parce que du coup, j'essayais de redonner de l'énergie au président, d'être à côté de lui. Il s'agit de Julie... Gayet. Elle fait exprès. Charlotte, parce que c'est une actrice, t'aurais dû commencer par là. Bon, Julie Gayet. Vous intéressez au cinéma un petit peu? Oui, on peut. Oui, d'accord. Ça m'arrête. Julie Gayet, alors... Festival glamour, hein, dans Paris Match, regardez, robe longue, sourire, machin, truc. Bon, c'est magnifique, chambre d'hôtel. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle avait deux films en compétition aux Oscars d'Hollywood. Alors, bon, elle n'a pas gagné, mais elle avait quand même des films. En tant que productrice, absolument. L'un qui avait été fait par Agnès Varda et l'autre par Ziad Bouit. Voilà. Ziad Andro? Non. Je ne sais pas. Non, j'ai oublié le nom de famille, mais le prénom, c'est Ziad. Et alors, elle explique qu'à l'Élysée, elle était extrêmement pointilleuse sur les dépenses. C'est-à-dire que si j'avais une robe à nettoyer, je payais la teinturerie. Garage du scooter. Allez, on termine. Qui a dit? On a le temps? Normalement, on n'a pas le temps? Non. Bon, ben voilà. Non, mais je reviendrai la fois. Oh, c'est dommage, mais vous reviendrez avec d'autres questions. Merci, Patrice, on a bien rigolé.